Est-ce qu'il y a un commentaire qui, sous une vidéo, t'a donné envie de faire de la musique? Je pense, vous gérez les gars. Moi, c'est le first. Quand il arrive une semaine après, c'est... C'est motivant. Ouais. C'est comme ça qu'on dit bonjour, je crois, maintenant. Bah, je crois, ouais. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Suzanne, comment ça va? Écoute, ça va, Wax. Je te présente Sicole. Coucou. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. Alors, on s'est rencontrés pendant le confinement. On s'est cyber-rencontrés. Oui. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Ouais. Et c'est la première fois qu'on se voit vraiment. Oui. Donc, on veut tout savoir sur toi. La musique, comment ça commence? La première fois où tu entends de la musique? La première fois que j'ai vraiment entendu de la musique, où ça m'a marqué, c'était quand je suis allée voir ma grande sœur prendre un cours de danse qu'elle ne voulait pas prendre. C'était juste parce qu'il y avait la voisine qui allait aussi. Et moi, pour le coup, j'ai vu des corps danser sur de la musique classique. Alors, je n'ai pas le titre précisément, mais j'ai juste voilà, entendu des sons. Ça vibrait à l'intérieur de moi, ça m'a suffi pour... Ça y est, j'étais partie, Ouais. quoi. Voilà, donc on va dire que mon premier instrument, c'est un peu mon body. En fait. C'est la danse, en fait. Ouais. D'accord. Et puis plus tard, je suis dans un truc où voilà, je suis au conservatoire. Je pousse la porte de ce conservatoire, j'ai 7 ans, j'ai beaucoup envie, je suis passionnée, je bouge même au supermarché. Enfin, tu vois, la danse, c'est vraiment là en moi. Et puis 10 ans après, bon, la routine, la pesée du mercredi où tu prends 300 grammes, tout ça, ça a commencé à me peser justement. Et je me suis rendu compte qu'entre deux cours où j'avais un peu la presse, tu vois, je chantais des opéras italiens, mais très, très approximatifs. D'accord. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, que j'aimais bien m'exprimer avec la voix, que ça me faisait du bien. Donc voilà, là j'ai commencé à me dire, ok, notre moyen d'expression, c'est cool. Et à ce moment-là, donc, tu t'apprends que la voix, c'est un truc qui te plaît. Ouais. Et est-ce qu'il y a un morceau qui te donne envie de faire de la musique? Alors, il y a d'abord Édith Piaf, il y a Brel, c'est mes premiers textes et tout, mais plus tard, j'arrive à Stromae. Ce qui m'a plu chez lui, c'est que tu le vois dans ses vidéos, il est tout seul dans sa petite chambre, il commence à faire des sons. En fait, c'est ce truc-là de ne pas attendre d'avoir le gros studio et les gros instrus. Et enfin, c'est arriver avec une idée déjà, essayer de la transposer, même avec très peu de moyens. Et cette manière aussi de casser les codes, d'aller réfléchir visuel, d'aller réfléchir à tout, en fait, parce que c'est aussi ça, quoi. C'est englobé, cette totale. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspiré là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il a la discographie parfaite? Complètement, je pense qu'on peut le dire, ouais. Je pense que c'est un sans faute. Et alors, sur ce sans faute, est-ce qu'il y a un morceau que Ouais, tu aimerais bien faire à avec fond. nous? Cancer, je le trouve sublime. Ouais, il est mortel. Mortel. Eh ben écoute, vas-y, let's go. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens. Cancer, cancer, dis-moi cancer. Cancer, cancer, qui est le prochain? Cancer, cancer, oh, dis-moi cancer. Cancer, cancer, qui est le prochain? Et tu aimes les petits enfants. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu, tu m'étonnes, mais tu m'aides. Cancer, cancer, dis-moi cancer. Cancer, cancer, qui est le prochain? Cancer, cancer, oh, dis-moi cancer. Cancer, cancer, qui est le prochain? Cancer, que tu cesses tes avances. Cancer, cancer, pars en vacances. Quand c'est, quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances. Cancer, cancer, oh, dis-moi cancer. Cancer, cancer, qui est le prochain? Cancer, cancer, oh, dis-moi cancer. Cancer, cancer, qui est le prochain?
à toi. Merci Wax. Ça se voit que t'as vraiment beaucoup écouté Stromae. Est-ce que tu penses que c'est l'une de tes influences, genre les plus importantes? Oui, il est arrivé après Piaf, après Brel, après Barbara, mais c'était un peu la suite logique pour moi. Yes. Il a ce côté très chanson française, mais en même temps il casse les codes. C'est un mec qui est arrivé avec de l'électro, avec sa patte, avec sa façon de bouger, avec son grand corps, bref, tout y est quoi. Donc. Et alors toi, comment tu commences à te professionnaliser dans la musique? Je pense que j'ai toujours su que je voulais écrire des chansons. À 14 ans, j'ai commencé à écrire un peu des premiers textes, mais que j'ai écrit aussi vite que j'ai jeté, tu vois. Et j'ai toujours été attirée par les mots et c'est un truc, je savais que je voulais faire ça un jour dans ma vie, mais je savais pas si c'était une espèce de caprice, de fantasme, de je ne sais quoi. Jusqu'au jour où c'est devenu tellement urgent d'écrire. J'étais serveuse à ce moment-là, je servais dans un resto à Paris 20e. Et les paroles me venaient dans la nuit, dans la tête. Enfin, limite, il fallait que je vomisse mes chansons, quoi. Ah ouais, à un moment donné, ouais, il fallait y aller, quoi. Et je pense que j'ai très peur de l'échec avant, justement. C'est pour ça que ça sortait pas, peut-être. Et là, j'étais prête. Incroyable. Bah, tu vois, ouais. Partir de ça pour avoir son nom marqué sur l'Olympia, c'est quand même un... Dingue. C'est un film. Ouais, un peu, ouais. J'ai l'impression que j'ai un petit film, là. Et s'il y avait un climax dans ce film, le moment où il y a ce morceau qui change toute ta carrière, ça serait quoi? Je pense que c'est ce morceau SLT. SLT qui, justement, j'étais encore serveuse dans ce restaurant quand j'ai écrit ce morceau. C'était pendant la période MeToo qui prenait quand même beaucoup d'ampleur. J'entendais des débats à table, des choses un peu atroces, genre les meufs, c'est des hystériques. Et je me suis dit, il faut que j'écrive cette chanson. Il faut que je raconte ce que moi j'ai vécu en tant que femme, mais ce que mes copines ont vécu, ce que ma mère a vécu, ma grand-mère, parce qu'on a tendance à dire que c'est un sujet hyper actuel. Je pense que malheureusement c'est faux, mais c'est cool parce qu'il y a plein de nanas qui prennent la parole là-dessus. Et voilà, SLT, ça a été une vraie chanson à écrire. J'ai eu la chance de la défendre aux Victoires de la Musique cette année. Elle m'a porté chance et c'était vraiment, j'y tenais quoi, de chanter cette chanson. D'ailleurs, t'as fait une performance incroyable. Merci, ce jour-là. Est-ce qu'on ferait pas une version champion du monde de ce titre-là? Écoute, propose-moi ta version champion du monde, je te suis. C'est parti. Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule. Salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? T'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Puis comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné, c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi fillette. Bats-toi, 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 bats-toi fillette. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau, 2 minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante, j'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici? Tout le monde est parti, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu vas quand même pas refuser. De toute façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Sauvegarder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre 3 fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi fillette. Bats-toi, 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 bats-toi fillette. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Que
Quel message. Faux, il faut. Et c'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson, j'étais encore serveuse dans ce resto du 20e. Et du coup, j'entendais des choses bien atroces. Je pense qu'on a appris aux filles, on nous a conditionnés en quelque sorte à justement, quand on se fait emmerder ou quoi dans la rue, à baisser la tête, changer de trottoir, se taire, attention à comment tu t'habilles. Enfin, on fait attention à tout et en fait, on ne devrait pas faire attention. Donc, c'était un peu ça le message. On essaye. Bravo pour ça. Merci Wax. Et merci pour cette version. Alors justement, très, très, très beau. On a voulu te challenger en la faisant sur du rock. Ouais, au feeling quoi. Genre c'est vrai qu'avec cette version, j'ai posé un peu autrement, etc. Est-ce que c'est tu ça penses la musique hein, après tout. Un style de musique ou un morceau sur lequel on t'attendrait pas du tout. Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, il y a un morceau moi qui me fait bien triper depuis quelques années. Tu vois, c'est genre le genre de morceau qui te fait lever, quoi. Clairement, tu vois, on a tous un morceau comme ça. Bon, j'ai un peu honte, mais tranquille. mais ouais, ça me rappelle des bonnes soirées, quoi. Les premières soirées, mes premières vodka pomme, tout ça. Et cette chanson, c'est Disco Beach. Tu vois, c'est beau la bourgeoisie. Ouais, bien sûr. Le champagne, tout ça. Ouais. Mmh. Et ça t'écoutais ça à sa sortie ? Et ça, j'écoutais ça, ouais. C'était il y a quand même 10 ans, non ? Ouais, c'était il y a quelques temps, ouais. Ouais. Tu sentais vieux, là, 10 ans. Ça va ou pas ? Non. C'est ça, hein, 10 ans. Hein. Non, je crois que je l'écoutais. T'écoutais aussi ? Ah ouais. Ouais, bah, très bien. Bah, on écoutait tous les deux et je trouve que voilà, elle a la pêche, cette chanson. Et voilà. Si on se faisait une version. On se l'attente ? After. Tu vois, genre ouais. Après que la soirée est passée. Ouais, mais genre after, mais t'es dans le mal ou t'es comment ? Non, plutôt c'est cool. Ça me va. Toi, tu fais partie de cette team-là ou pas ? Ouais, moi, je suis la team after, que si tu me donnes à manger. On est vraiment même team, hein. Très bien. Oh là là. Une chorba et on repart. C'est beau la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est beau tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. C'est beau la petite bourgeoisie qui flâne à Hawaï, qui se paie régulièrement la coupe de champagne. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. Just recording that track for the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. Like they just don't care. T'as passé ta vie à prendre ton temps. Le fric en masque tu caches dans tes gants. Craqué jusqu'aux dents tu claques la caisse des parents. Pour entrer dans les soirées c'est libre moins de 30 ans. C'est beau la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est beau tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. C'est beau la petite bourgeoisie qui flâne à Hawaï, qui se paie régulièrement la coupe de champagne. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. I'm a bitch. I'm a bitch. Je pense qu'on peut applaudir les dernières notes de Cicole au clavier. Suzanne aussi, peut-être. Évidemment, Suzanne. Merci. Ah oui. Et Wax. Oh là là. Et d'ailleurs, on t'offre la fin de l'émission. Elle est pour toi. Ok. On fait ce que tu veux. Je prends. Et du coup, je me dis que j'ai très envie de jouer une chanson et c'est la première fois que je la joue en live. C'est une chanson exclue. Qui s'appelle « La part vide ». Voilà, c'est une chanson qui ouvre un peu sur mon intimité. Tu t'es livrée. Ouais, je me suis livrée. Est-ce que ça t'a fait du bien de te livrer ? Ouais, je crois. Puis du coup, j'ai hâte de savoir qu'il y a des gens qui sont dans le même état que moi sur cette chanson. C'est parti, on va faire une version pas badante. T'as qui te parle à 3h du mat. Je te vois sourire devant ton écran. Le film a l'air bien mais je suis pas dedans. On s'endort ensemble dans un lit trop grand. En tête à tête je tiens la chandelle. T'as passé la soirée à penser à elle. On se dira bonne nuit comme à la fin d'un mail. Je suis plus la première à qui tu penses au réveil. Je voudrais remettre le film au début. Rejouer la scène où le lit nous voit nus. Écouter ta bouche pour la première fois. Laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit, mais on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? Te claquer la porte sans me dire au revoir. Depuis j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans la part vide, je reconnais plus le décor.
corps. J'écris des chansons tristes. J'ai même plus d'or dans l'appart vide. Y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas dormi. Il fait jour dehors. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Un jour ces questions vont me tuer. Je me fais des films que je veux pas regarder. J'ai le cœur en sang quand je te vois l'embrasser. Je regarde nos photos de couple parfait. Je me sens moins belle quand t'es plus à côté. Je trouve même plus la force de danser quand j'entends notre chanson préférée. Je voudrais remettre le film au début, rejouer la scène où le lit nous voit nus, goûter ta bouche pour la première fois, laisser du parfum dans tes draps. On vit sous le même toit, mais on s'est perdu de vue. Mon amour, est-ce que c'est le temps qui nous tue? Claquer la porte sans me dire au revoir. Depuis, j'attends que tu rentres tous les soirs. Dans l'appart vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes. Je vais même plus dehors. Dans l'appart vide, y'a plus que du désordre. J'ai toujours pas dormi. Il fait jour dehors. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Quand je sais pas où tu es, danser un slow mais tes bras m'ont lâché. Dis-toi aussi tu te sens qu'à moitié. Qu'est-ce que tu fais avec qui tu es? Un jour ces questions vont me tuer. On dansait un slow mais tes bras m'ont lâché. Y'a plus qu'une paire de clés dans l'entrée. Wow, je suis fan de ce morceau. Merci Wax. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous les garçons parce que vraiment c'est trop trop cool ce que vous avez avec fait. Avec plaisir. Genre cœur bleu et tout quoi, genre wow. Cœur avec les mains, tout ça. Genre, cœur bleu. Très content d'avoir joué la part vide ici, chez vous. Merci. Écoute, c'était un honneur. Et tu sais, dans cette émission, on aime bien finir sur une note un peu joyeuse qui est le pas de danse. Tintin. Oh, c'est là. Ah, yes. Wow, toi, c'était ça le robot. Ouais. Ok. Tain, jusqu'aux chaussures et tout, c'est incroyable. Est-ce que tu aurais un petit pas de danse à nous apprendre pour qu'on brille en soirée? Ouais, car... Tu vois ce fameux after dont on parlait? Ouais, mais t'es sûr que tu... Parce que moi, j'ai un pas de danse à te proposer, mais j'ai peur que tu te fasses un petit claquage quand même. Ah. Donc, c'est en parti. En fait, le but, c'est de se pencher, genre, vraiment, tu l'envoies, tu l'envoies, fait... genre, joum, d'abord le genou, et après le pouf, le kick, ouais, ok? Je pas genou, kick. Ok, ok, vas-y, c'est parti. En deux temps. Ok. 100, 5, 6, 7, Ok. Oh là là là. C'est chaud. C'est grave chaud. Et le dernier. Voilà. Le style de ouf. Écoute. Bravo le robot. Bravo à toi.